Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour cet épisode 14 de Resident Evil 0, donc je pense que ce sera le dernier. Donc la dernière fois j'étais un petit peu paumée, on va pas se mentir, par rapport au fait de savoir où on devait aller pour pouvoir mettre la batterie. Donc on va essayer de s'en sortir, bien évidemment. J'essaie de regarder à nouveau les records que j'avais fait par le passé et tout pour voir un peu... Essayer de m'orienter. Et je pense qu'en vrai, il y a un passage qu'on a déverrouillé la dernière fois qui sera peut-être utile pour nous. Donc on va peut-être devoir y retourner. Parce que là, je vous avoue que ça m'a l'air d'être un gruyère sans nom. Hop, on a la batterie, c'est parti. Donc hop. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Donc tes munitions, je les garde. Billy. Billy, Billy, bah pareil. Billy d'ailleurs, on va peut-être changer. On va peut-être prendre un soin complet parce qu'on en a ici. Ouais, on va sur ça, les amis. Mais oui, on s'en fiche des fruits séchés. Et on s'en fout des fruits séchés. Ouais, au secours. Bon, on va prendre le soin qui est là-bas. Hein. Il nous enquiquinera moins. Voilà les amis, on a le soin. Alors, écoutez, on va redescendre. Roger. Non, tu me suis. Parce que je pense pas que c'était aussi à ce niveau-là qu'il était. Je pense pas. Alors, c'est parti. Au pire, s'il y a vraiment des moments où je ne sais plus, je vous mettrai des accélérés. Je ferai en sorte que ce soit vivable, on va dire, parce que là, c'est clair que c'est à la recherche du petit poussé, quoi. Un peu. Donc, un peu compliqué. Si je me souviens bien, c'était pas très loin de l'endroit où, où on a retrouvé Billy. Quand il était tombé, là, vous savez qu'on avait un moment où on avait perdu Billy. Dans mes souvenirs... C'est pas si loin cet endroit. Et c'est ce passage là, je ne sais plus où il est. C'est ça qui est problématique. Alors c'est parti, on va repasser dehors. Eh Billy, t'es prêt? Se retrouve une grenouille. Il va falloir lui tuer sa tête. Lui faire pampant tes morts. Allez Billy. Bon, on a vu deux de grenouilles la dernière fois, hein. C'est bon. On a peut-être vu assez, quoi. Hein, franchement, les amis. Vous croyez pas qu'on en a vu assez? Allez, Billy. C'est parti, tonton Billy. Alors là, c'est la dernière fois où on avait récupéré Rebecca. Et normalement, c'est ça. Il doit y avoir des chemins... Pour faciliter, parce que sinon faut faire tout le tour. Allez, on va grimper là-haut. Allez, y a un Billy. Voilà, c'est cette porte-là que j'avais déverrouillée la dernière fois. Alors, je me dis qu'elle va nous emmener quelque part. D'utile. Très clairement. Parce que là, la carte magnétique, je sais où il faut que je la mette. Il n'y a pas de problème, j'ai mémorisé. Tac, tac, tac. Peut-être par là. Peut-être par là, les amis. Ouais, là, c'était l'endroit où on avait récupéré Billy. Donc, c'est ça. On va grimper là-haut. On va pas grimper en bas en même temps. Allez, on va essayer de voir. C'est pas très loin, il me semble, de cet endroit. Avec des scies et tout, on fera le monde, comme on dit, mais écoutez. Hein. Munitions. Alors là, c'était l'endroit où... Ah oui, on a mis les caisses. Alors, est-ce qu'il faut passer par là? On doit pas être si loin que ça.
Et c'est ça. Wouh, les amis. Ah, Billy, grimpouille là-haut. Let's split up. Roger. Grimpe là-haut, monsieur. Ah, par contre, attends. Rebecca. Rebecca, mon chou. Je suis blindée. Alors, utiliser. Allez, va voir Billy. Non. Billy, il est blindé. Il va pas pouvoir prendre de trucs. Échanger. Le chariot élévateur semble prêt à l'emploi. Appuyez sur le bouton de l'élévateur. Yes, les amis. Yes, une carte d'accès magnétique. C'est type à vous, ça, les amis. C'est ce qu'il nous fallait, comme par hasard. This way. Billy Billy? Billy Billy? Viens. Il faut que ce soit moi qui fasse descendre de la caisse. Punaise, mais non! Oh les amis, non! Mais punaise, mais. Pourquoi j'arrive pas à le faire descendre? C'est quoi ce bordel? Parcours s'est fait attaquer encore. C'est une grenouille? J'en ai marre de ces foutues grenouilles. Y a rien de plus stressant quand tu sais pas ce qui se passe et que t'es là en mode hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il faut que je grimpe? Je sais plus. Non, j'ai pris la porte pour venir. Oui, Billy, viens. Viens. On vient pas de là. On n'était pas dans la salle où il y avait le billard. Billy m'a suivi? Yes, c'est bon. Ah, les amis, je vous jure, je suis une calamité. C'est pas possible. Allez les amis, c'est parti. Donc là, il faut qu'on retourne là où on doit mettre la carte mère. Et bah, qu'on aille voir ce qui se passe ensuite. Eh bien, Billy. Qu'on repasse là où je t'avais retrouvé. On a réussi, les amis. On a réussi à trouver l'endroit. C'est beau. Yes, eh bien, Billy. Ah, j'ai peur de ce qui nous attend. J'ai trop peur. C'est horrible, les amis. Des munitions. Vous avez pas vu la dernière fois. Eh bien, Billy, c'est par là. Prendre Billy. Hop, on utilise ça, les amis. Ah, j'ai trop peur. Désolée, je buvais un coup en même temps parce que là je suis un petit peu en PLS. Bon, allez les amis. Ah, vous êtes trop contents de regarder, mais moi je suis en plein flip en train de me demander qu'est-ce qui m'attend derrière ce putain de mur.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai rien à faire ici. Ah, ça brille. Munition pour Magnum. Je sais pas si je vais être heureuse ou si je vais être triste. On va s'équiper de ça? Rebecca? Tu t'équipes de ça? Et c'est parti? Attendez les amis, sur le plan. Donc là, on a cette grande salle-là et après on a celle-là. Et après on a plus rien. Donc c'est la fin les amis, ça veut dire. Bon, allez on y va, c'est parti. Et après le 0, je vais faire le 4, du coup Resident Evil 4. Parce que j'ai pas encore le 2. Ah, cinématique. Bienvenue mes jeunes amis, je suis ravie de vous voir. Vous êtes mes invités d'honneur, après tout nous célébrons votre mort. Qui êtes-vous? Docteur Marcus? Non, c'est pas possible. C'est impossible, pardon. Que se passe-t-il? Il y a 10 ans, Spencer m'a fait assassiner. Votre heure est venue, docteur. Je vais m'occuper de vos recherches. Wesker, Birkin. Mais un miracle s'est produit. Le virus T qui était dans ma sang suraine a mis de nombreuses années à me donner une nouvelle vie. Je suis vivant. Je vais enfin pouvoir me venger d'Umbrella. Et le monde brûlera dans un enfer de haine. Vous allez payer. Nous verrons bien qui va mourir. Wow. C'est dégueulasse. Et on va se battre contre ça? Oh my god. Oh my god. Des diamants? Non. Ok. Bien. Il y a des trucs qui brillent, ok, mais pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? C'est des munitions pour Magnum? Ouais, c'est ça. Mais les amis, mais je pensais qu'on allait mettre plus de temps à le battre. Oh, Rebecca. Ah, ouais. Donc c'est ici la suite des opérations. Bon, Billy a un inventaire vide. Un slot vide, c'est pas pareil. Rebecca, par contre, elle non. Donc Rebecca, tu vas laisser... Non. Rebecca va laisser un soin là. Et viens Billy, on va aller chercher ce qui brillait, parce qu'à mon avis on en a besoin pour sortir d'ici. Mais ça craint les amis. Donc en gros, Wesker, qui est le fumier qu'on a vu dans le 1, vous voyez, qui faisait partie de l'équipe des Starks au départ, bien évidemment.
Mais what? Et what the fuck? Donc en gros, le mec, il est à la source de tout, à l'origine de tout, quoi. Il est rentré dans les stars pour pouvoir voir si le virus T serait plus efficace que des soldats, quoi. En gros. Le mec, il prend les gens pour des cobayes, quoi. Voilà les amis, ça y est, on a enfin... Ah, donc on a deux conduites, donc ils vont nous servir pour là-bas, de ce qu'on a pu comprendre direct. Hein. Mais ouais, le Wesker, enfin, tranquille. Le mec, il croit que les gens, c'est des pitching balls, quoi. Et le pire, c'est pas comme s'ils tuaient le docteur Marcus pour arrêter ses recherches. Ils ont tué le docteur Marcus pour prendre sa place, quoi. C'est pas comme s'ils voulaient mettre fin à ses agissements, quoi. Ok, donc il faut que j'utilise ça. La forme est un peu différente, donc c'est pas de ce côté-là. Donc du coup, il faut que moi, avec le mien, j'aille de ce côté-là. Et que Rebecca... I'll go. Yeah. Et que Rebecca aille là, avec le sien. C'est ça. Alors, les amis... Hop, petite cinématique. Il actionne tout le temps en même temps. La porte va s'ouvrir. Laissez-moi le temps de récupérer mon soin, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demanderai. Ah, j'ai pas pu récupérer mon soin. Il y a des plantes. Il y a des balles. Écoutez, il y a une machine. Par habitude, on va sauvegarder. Parce que imaginons que c'est vraiment la fin, les amis. Je voudrais pas que on soit, par exemple, qu'on... Ah, les amis, on est blindé de trucs. J'ai peur. J'ai peur de la fin, là. Quand je vois ce qu'ils nous mettent... ouais. Qu'est-ce qui nous attend, sérieux, pour la fin, là? Alors, Billy, tu vas sauvegarder, mon chou. Oh, punaise. J'ai peur. C'est grave, hein. Je sais. Alors. Billy. Tu vas laisser ça là. Billy va prendre aussi un soin, les amis. On a des munitions. On peut pas en prendre plus. On a des plantes là, on a encore des autres plantes, mais je peux pas. Donc il faut utiliser le monde charge. Il y a un levier qui contrôle l'ascenseur. Vous pourriez peut-être l'utiliser pour vous échapper. Attendez. Ah, il reste que ça, hein. Il y a que ça comme possibilité. C'est la fin, les amis. Oh, punaise. Moi, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est horrible. J'ai trop peur, les gens. C'est dans le 1, le dernier truc qu'on avait affronté, c'était un espèce de gros tyran. Mais là... La reine! Non, on va devoir affronter ça? Oh non! Oh non, c'est horrible. Système d'autodestruction activé. Oh punaise, on va avoir un timer. Évacuez les lieux immédiatement, je répète. Qui a activé le système d'autodestruction? Allez, plus vite. Oh la vache. Ça pue, les amis, ça pue.
Oh la vache. What? Attends, je comprends rien là. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Cinématique, mais qu'est-ce qui se passe? Billy, elle ne supporte pas la lumière du soleil. Il faut ouvrir les fenêtres. Ah! Suivez-moi. Ok. Occupez-vous des fenêtres. Compris. Pendant que je distrairai sa majesté. Donc ça, on s'en fout. En gros, c'est Rebecca qui va le faire et nous, on est Billy. Ah, punaise. On va attendre avant de mettre ça à Rebecca. Ok, Rebecca a activé le premier système. Elle en a encore 3. Oh, bidi, bidi. Rebecca est toujours en attention. Ah, elle a fait le deuxième. Ok. Salut madame. Est-ce que je peux t'éviter quelque part? Attends. Ils sont perturbants à nous montrer ça. Ils sont utilisés? Ok. Alors les amis. Je vais l'utiliser parce que j'ai pas envie qu'elle... Elle est où? T'es où ta majesté? Quatrième système, quatrième truc. Ah mais non, ah oui c'est vrai que... Billy, Billy, cours par là. Eh, dépêche-toi avec un, s'il te plaît, là. C'est bon? C'est bon, c'est bon, on est bon? Oh non, 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 non. Billy, 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 Billy. Mais non! Oh là là! Allez, Rebecca, s'il te plaît! Est-ce que c'est bon, les amis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oh là 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 là. Non, s'il vous plaît. Je veux pas... On veut pas mourir. Billy! Hey, Queenie! Feast on this! Thank you.
Rebecca, vite. Oh la vache. Là, ça a pété les gens. Ça doit être le vieux manoir dont parlait Enrico. Alors c'est le moment de se dire au revoir. Officiellement, le lieutenant Billy Cohen est mort. Ouais, je ne suis plus qu'un zombie. Merci Rebecca. Et voilà les amis, donc on a terminé Resident Evil 0. Donc la fin un peu émouvante quand même, parce que au final Rebecca laisse Billy partir parce que voilà quoi, il l'a quand même aidé à survivre au milieu de tout ça. Bon, elle sait pas ce qui va l'attendre après, parce que clairement quand on voit le manoir, on sait que c'est le 1, voilà, c'est le manoir du 1 quoi. On sait que voilà, il va encore se passer des choses. Et voilà, on sait que ça craint le pâté direct, quoi. Mais voilà, belle petite fin. Je m'attendais pas à affronter la reine des sangsues, j'avoue. Donc c'était plutôt sympa. Au final, voilà, c'est la lumière qui l'a vaincu et pas nous. Enfin, c'est une balle de Billy, mais version cinématique, on va dire. Mais voilà, c'était sympa, moi, j'ai trouvé. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vais vous laisser là, tout simplement, pour cet épisode, les amis, hein. Je vous remercie d'avoir suivi ce let's play et on se retrouve la semaine prochaine pour